Aux alentours de 16 heures, les sapeurs-pompiers ont été alertés pour un enfant qui s'était fait, a priori, blessé par un requin au niveau du port de la Marina du Sud. Les sapeurs-pompiers arrivés sur place en même temps que les équipes SMUR ont pu constater qu'un enfant qui se baignait à l'arrière du bateau familial s'était fait effectivement attaquer par un squale assez conséquent, un squale d'à peu près entre 3 et 4 mètres. Et l'enfant présentait une blessure très grave au niveau de la jambe. Donc il a été pris en charge par l'équipe urgentiste et sapeurs-pompiers et transporté sur le Midi-Pôle en urgence absolue. L'âge de l'enfant, c'est à peu près entre 8 et 10 ans. L'événement s'est produit il y a peu de temps. Les mesures conservatoires, effectivement, c'est un appel à vigilance à l'ensemble de la population que les zones interdites à la baignade doivent effectivement être interdites à la baignade et à mesure de prudence dans les autres zones et de vigilance sur les prochains jours. Il y a une pêche qui est prévue, une capture de ce requin? Pour l'instant, donc, on est en relation avec les différentes institutions pour voir la mesure à conduire.